Avec nous ce soir, vous étiez venu nous rendre visite sur le plateau d'Au nom de Lorette. La dernière fois, vous aviez voulu vous associer à la lutte contre la leucémie. Vous aviez offert un double disque de diamant. Ce soir, vous êtes revenu avec un cadeau qui vous tient à cœur. C'est quoi ce cadeau pour les téléspectateurs? Alors en fait, mon premier album s'appelait Gourmandise. Mm-hmm. Et donc quand la chanson Gourmandise est sortie, Jean-Charles de Castelbajac a créé mes costumes et m'avait offert, en fait, c'est un collier. On dirait pas comme ça, mais c'est un collier que je devais porter en télé, mais qui est beaucoup trop dangereux. Avec un couteau et une fourchette. Voilà, qui représente la gourmandise. Et il y a le petit sigle de Jean-Charles Castelbajac. Hein, et donc c'est un cadeau de sa part personnelle. Il a fait pour moi, spécialement pour moi. Donc c'est ce cadeau que j'offre ce soir. Presque une œuvre d'art, donc. Un très beau collier que vous offrez aux téléspectateurs. Au nom des personnes âgées, vous appelez le 08 97 66 3000 et vous tapez 11 si vous voulez
acquérir le collier d'Alizée. Le cadeau numéro 10, c'est celui de Florent Pagny et vous le découvrirez dans quelques instants. Je rappelle le 1, la tortue de Madame Chirac, le 2, la soirée avec Johnny, etc., etc. Tous les cadeaux sont en lice ce soir, ils seront à vous dans quelques instants si vous êtes tiré au sort. Alizée, je disais tout à l'heure que vous ne manquez pas de revenir en Corse visiter vos grands-parents. Votre grand-mère a été voir votre concert à l'Olympia récemment? Oui, elle s'est déplacée spécialement de Corse. Et mon grand-père, ça faisait 25 ans qu'il n'était pas venu à Paris. Et il s'est déplacé spécialement pour venir voir sa petite fille à l'Olympia. Et alors, comment ils ont réagi en vous voyant? Ils étaient très fiers et ils sont retournés en Corse avec plein de souvenirs et plein de choses à raconter. C'est ça aussi le symbole de l'intergénération, Madame Chirac, entre les jeunes.